tout le monde, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisque j'ai reçu un énorme colis de la marque MedPets qui est un site internet qui propose des produits pour nos amours d'animaux et ils ont une page dédiée pour les articles de Noël. Donc du coup je vais vous faire un unboxing de ce que j'ai pu recevoir. Donc cette vidéo est en partenariat avec la marque MedPets. Je remercie d'ailleurs Mélodie de m'avoir envoyé soigneusement ce colis. Et surtout regardez bien toute la vidéo puisqu'à la fin je vais vous proposer un concours pour vous faire gagner certains de ces articles. Donc tout le monde sera gâté, chien, chat et rongeur, il y en aura pour tout le monde. En plus de ça, c'est un site internet qui propose énormément de choses pour nos animaux mais à petit prix. Vous allez voir, franchement les articles que je vous ai trouvés pour Noël sont vraiment pas cher du tout, donc ça vaut le coup. Je sais que à cette époque de l'année on est tous un petit peu gaga avec nos animaux et on a envie de leur faire plaisir, ou alors quand on est invité quelque part pour Noël et qu'on a aussi envie de faire plaisir aux animaux des personnes qui nous invitent, c'est vrai que ça marque un petit peu le coup, c'est sympa. Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous. Alors déjà que c'est des petits prix, mais avec le code promo ça va vous faire faire encore plus d'économies. De toute manière je vous mets tous les liens en barre d'infos, que ce soit le lien des articles ou alors les règles de mon concours ainsi que mon code promo. Donc je vous dis même pas la taille du colis. Voilà, voilà. Ah ouais. Le fameux calendrier de l'Avent pour les animaux. Oui oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça existe et ça se démocratise de plus en plus avec les années. Sauf que cette année, moi je suis très heureuse d'en avoir aussi trouvé pour les rongeurs, puisque en effet souvent on en trouve pour les chiens ou les chats, mais pour les personnes qui ont des cochons d'Inde, des lapins, des hamsters, des octodons, peu importe. C'est vrai que c'est pas forcément courant de trouver des articles de Noël pour les rongeurs, mais cette année Trixie a sorti un calendrier de l'Avent pour eux. En plus il est assez gros, donc si vous avez un petit rongeur ça va vous durer un certain moment. Moi ce que je fais dans les calendriers de l'Avent, souvent il y a beaucoup de friandises dans une seule case, donc j'ai tendance à les stocker dans une petite boîte et je les donne au fur et à mesure pendant l'année. En fait je vais pas tout lui donner d'un coup parce que sinon il risque d'être malade. Donc ça c'est valide pour les chats, les chiens ou les rongeurs. Et en fait dedans vous avez tout un tas de petites friandises comme ceci qui sont vraiment super sympas, de quoi faire plaisir à votre petit amour. Alors dans le même genre, donc j'ai reçu celui pour les chiens, pareil avec tout un tas de petites friandises super sympas qui fera plaisir à votre petit gourmand. Donc vous voyez hein, quand même ils sont assez qualitatifs, ils sont assez gros. Moi pour les avoir testés l'année dernière, je sais que c'est des calendriers qui contiennent pas mal de friandises dedans. Donc franchement ça vaut le coup. Et enfin bien sûr le dernier calendrier de l'Avent que je vais vous montrer, c'est pour les chats. Donc comme je vous ai dit, tout le monde sera gâté cette année. Voilà, là c'est pareil, hein, c'est un petit calendrier de l'Avent avec des friandises à l'intérieur pour votre minou. Vous voyez le packaging est quand même super joli. En plus c'est pareil, cette marque là je l'avais déjà testée, les friandises sont assez appétantes. Donc on sait tous que les chats c'est un petit peu relou au niveau de la nourriture et qu'ils sont un petit peu compliqués parfois. Mais normalement ce genre de friandises ça marche à tous les coups. Donc ensuite j'ai reçu des petites cartes de Noël pour chiens et chats avec des petites friandises à l'intérieur. Donc principalement à base de viande, là je crois qu'on a du poulet séché et là-dedans on a un mix de poulet et de poisson. Et en fait c'est super mignon puisque quand vous l'ouvrez comme ceci, ça fait une petite carte de Noël. Donc je trouve ça super mignon, en petit clin d'œil quand on n'a pas envie de se ruiner, qu'on veut juste marquer le coup. C'est des choses qui coûtent aux alentours des 1€, 2€, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas excessif encore une fois et c'est super mignon, super ludique et ça fait toujours plaisir. Alors ensuite j'ai commandé ces fameux petits cookies pour chiens, donc des petits cookies de Noël. Donc ces petits cookies ont une composition assez clean pour vos petits chiens et puis en plus en forme de sapin, enfin je trouve ça super mignon. D'ailleurs on va les ouvrir. Ah c'est trop mignon, il y a en forme de sapin, de petites chaussettes et de petites cloches. On adore. Je vais en proposer un maintenant à Décibel pour voir s'il les aime. Tiens. Ah ben en tout cas, ça a un franc succès. Hein. Yuki, sors du carton. Tu es insupportable. Tu es insupportable. Yuki, monte ta tête. Oui, moi j'ai rien fait maintenant. Alors ça c'est pareil. C'est un truc de dingue.
quand je l'ai commandé, je pensais vraiment pas que ça avait cette taille là et qu'il y avait autant de choses dedans. En fait, c'est une petite chaussette de Noël pour les rongeurs. Donc dedans, vous avez des friandises. Vous avez trois gros paquets de friandises, donc aux légumes, au chocolat, bon, au faux chocolat, hein, pour pas que ce soit toxique, bien sûr, et des petits drops pour rongeurs, ainsi qu'un petit sapin de Noël avec des céréales à l'intérieur. Je trouve ça super et ça a un prix dérisoire. C'est moins de 4 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, enfin, je sais, hein, je vous parle beaucoup du prix, mais c'est vrai qu'en période de Noël, on n'a pas tous un budget faramineux pour les animaux, parce que déjà qu'on dépense beaucoup d'argent pour notre famille. Mais du coup, là, je trouve que c'est super mignon, c'est pas très cher, et il y a énormément de produits à l'intérieur, quoi. En plus, vous avez la petite étiquette pour marquer le prénom de votre animal à mettre sous le sapin. Enfin, moi je trouve ça adorable, d'autant plus que c'est pour les rongeurs et que ce genre d'article on le trouvait pas il y a quelques années auparavant. Ça se démocratise de plus en plus et je trouve ça super mignon, quoi. Alors, dans la même famille, niveau chaussettes de Noël, ici on a une petite chaussette avec plein de petits jouets pour chat. Là c'est pareil, c'est un prix dérisoire et c'est super mignon puisqu'en fait on voit bien qu'il y a des petits jouets en forme de sapin avec des paillettes, enfin, vraiment dans le thème de Noël. Je trouve ça super chou. Et pareil, encore une fois, on a quand même pas mal d'articles dedans. Vous avez une, deux, trois balles. Il y a deux jouets avec la petite ficelle qu'on suspend pour qu'ils viennent un petit peu se défouler dessus. Une petite souris avec des couleurs unicorn, n'est-ce pas? Voilà, je trouve ça mais trop mignon. Alors, j'ai trouvé ça aussi. Alors ça, mais ça. Ça en fait, c'est une poudre préparée pour faire des petits gâteaux pour vos chiens, pour vos chats, pour vos chevaux. Donc c'est une poudre que vous agrémentez avec le jus que vous voulez, donc forcément en fonction de l'animal que vous avez, hein. Vous n'allez pas mettre du jus de viande pour un cheval. C'est de la marque CDVET et c'est une marque qui est assez naturelle puisqu'il propose toute une gamme à base de produits naturels et absolument pas chimiques. Et quand j'ai regardé la compo de cette poudre et les explications pour faire des gâteaux avec, j'ai trouvé ça super puisqu'en fait c'est ludique. Si vous voulez faire des petits gâteaux maison à votre chien et que vous savez pas forcément le temps de réunir tous les ingrédients qu'il faut, et ben c'est comme pour nous, quand on n'a pas le temps de faire un gâteau, on a les petites préparations toutes faites. Donc une fois que vous avez préparé les petits biscuits, il y a une durée de conservation à peu près d'une semaine. Concernant la composition, vous avez de la farine d'épeautre, de la betterave rouge, des graines de lin, du calcaire d'algues, du lit de jus de baie d'aronia, du lit de jus de pomme, du lit de jus de fraise, de la levure de bière, des germes de malt, du lit de jus de cassis, de la farine d'algues, de l'extrait de pépins de raisin et du cynorhodon. Voilà, donc c'est une compo super clean, il n'y a pas de gluten dedans. À la rigueur, le seul céréal qu'il va y avoir, c'est la farine d'épeautre. What else? Et enfin, le dernier article, c'est une petite pâtée de la marque Edgar & Cooper, édition Noël. Donc pareil, ça peut faire un petit clin d'œil, ça coûte pas extrêmement cher, hein, c'est aux alentours des 1€. Et en plus, Edgar & Cooper, c'est quand même une bonne marque. Donc si vous voulez faire plaisir à un petit chien, et ben voilà, vous avez ce genre de choses qui est super sympa. Mais aussi, nous sommes dans le week-end des Black Friday et ils proposent pas mal d'articles à moins 20%. Donc c'est le moment d'aller faire une petite commande pour vos chouchous ou pour les chouchous de vos amis si vous voulez leur faire plaisir pour Noël. Concernant le concours, donc je vais vous faire gagner tous les calendriers de l'Avent que vous avez vu dans cette vidéo, ainsi que la chaussette de friandises pour rongeurs et les deux petites cartes postales slash friandises en forme d'étoiles pour les chiens et les chats. Mettez-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes gaga au point d'offrir des cadeaux à vos animaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.